direct donc, d'un rassemblement en mémoire à George Floyd, l'afro-américain qui a été assassiné par la police américaine il n'y a pas longtemps. Donc c'est un rassemblement à l'appel de l'association Mémoire et Partage, hein, qui est une association bordelaise connue pour son combat de rappel de mémoire du passé colonialiste et négrier de Bordeaux, et en même temps une organisation antiraciste, et donc a tenu à appeler à ce rassemblement, et tant mieux. Et donc là, il y a pas mal de prises de parole de tout un milieu militant, évidemment, tous ceux qui sont aujourd'hui sensibles à ce qui se passe. Et donc, on est à peu près 500, je dirais, 500 personnes. Et donc, évidemment, une partie plutôt émouvante au début, hein, puisque ce qui s'est passé avec George Floyd, et puis on le sait, pas mal de jeunes ou moins jeunes noirs américains aux États-Unis sont assassinés régulièrement par la police. Assassinés, c'est même pas un mot exagéré, tant quand on voit les images de la mort de George Floyd, enfin, on voit quand même qu'il y a une attitude délibérée de la police, hein, de prendre le risque de tuer des gens. Donc c'est pas mal de jeunes, de moins jeunes noirs qui sont tués et assassinés dans l'année aux États-Unis. Et évidemment, le lien a été fait avec la répression policière et le racisme qui existe dans la police française. À la lumière des événements récents, hein, pendant le confinement, il y a eu pas mal de jeunes qui ont été tués dans des accidents, entre guillemets, en rapport toujours avec les interventions de la police. Et puis il y a pas mal de polémiques à partir de l'intervention de Camila Giordana, qui est toute récente, hein, où elle avait justement dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité quand on était noir, ou quand on était arabe, ou quand on était immigré, quand on rencontrait la police. Et puis on a vu toute l'attitude violente des syndicats policiers, largement évidemment influencés par les idées d'extrême droite, et puis y compris le gouvernement Castaner qui a menacé de porter plainte contre les propos de Camila Giordana. Donc on voit l'ambiance aujourd'hui même en France, et pas qu'en France, c'est un peu tous les pays qui sont touchés par ça, quoi. Il y a une véritable violence politique, une violence raciste, et donc une violence dans la police. Et ben, ce rassemblement-là, c'est à la fois un truc émouvant, parce qu'en mémoire d'eux, avec beaucoup de tristesse, et puis en même temps de la colère pour dénoncer ce racisme, pour dénoncer cette violence d'État, et de trouver un peu les moyens aussi de comment on répond à ça, et avec cette idée qu'il va falloir qu'on résiste, qu'on s'organise, à l'image des émeutes qu'il peut y avoir aujourd'hui à Minneapolis, où on voit une colère de la population, où on voit qu'au-delà du racisme anti-noir, il y a aussi un racisme social, c'est aussi des populations très pauvres, et donc se discutent tous ces problèmes-là, quoi, de comment en fait la population retrouve le droit de vivre décemment, et c'est des combats politiques qu'il va falloir mener, et en lien d'un pays à l'autre. Donc voilà, donc, c'est un peu tout ça qui se joue, et c'est vrai que c'est important de pouvoir être là, d'affirmer une solidarité, d'affirmer beaucoup d'émotions par rapport à ces gens qui sont tués aujourd'hui, et après au-delà de ça, donc c'est cette question de combat politique qu'il faut qu'on arrive à mener, de résistance anti-raciste, et aussi plus largement anti-capitaliste, puisque c'est aussi toute l'exploitation qui se dénonce à travers les dénonciations donc, de crimes racistes. Voilà, donc il y avait Nordine à côté de moi qui a un camarade de la liste, peut-être qu'on peut mettre à rajouter quand même, parce que ce qui s'est passé plein de temps sous-tit. Place dans soutien avec l'intervention de la police municipale, où encore une fois, la mairie de Bordeaux nous dit on diligente une enquête par le directeur général des services, et puis au final, on voit que la police est complètement... on dit que la police est pour rien là-dedans, alors que ce jeune homme s'est fait renverser, que tous les témoins, il y a des vidéos, tous les témoins le disent, s'est fait renverser, s'est fait malmener, on l'a plaqué au sol avec le plaquage ventral qu'on dénonce depuis longtemps. Donc à Bordeaux aussi, il y a des violences policières. Voilà. Et police municipale. Et c'est la police, municipale. Et bon, il y a Bordeaux, comme le dit Nordine, et puis on peut parler d'un mot de mémoire à Larbi, un jeune qui a été tué dans un accident de moto, mais dont la police aurait joué un rôle là-dedans. Et puis il n'y a pas longtemps, aussi un accident, c'était dans la région parisienne aussi. Hein. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se passent qui sont terribles, et donc ça justifie quand même un mouvement contre le racisme de la police, contre les violences policières. Et bon, après évidemment que le lien est à faire avec la répression globalement contre toute forme de contestation, hein, avec les gilets jaunes qui ont été durement réprimés. Voilà, donc on est là-dedans, et bon, il y a quand même, en tout cas, le rendez-vous d'aujourd'hui à l'appel de mémoire et partage, ça fait du bien, ça permet à tout un milieu de se retrouver, et puis de dire qu'il y en a ras-le-bol, d'exprimer la colère, et puis d'espérer que tout ça, ça va changer, mais que ça changera parce que on s'organisera et on se battra, ça ne viendra pas tout seul. Alors, il ne faut pas compter un seul instant sur un gouvernement ou sur une police qui, à un moment donné, deviendrait raisonnable. Il va falloir qu'il y ait un rapport de force qui change pour imposer le respect de tout le monde, quoi.